Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un gel à base d'aloe vera qui sera super hydratant, nourrissant et qui va aider vos cheveux à faire des boucles beaucoup plus facilement. Pour commencer, j'ai enlevé les épines ou les petits piquants là, comme on appelle ça en créole, de l'aloe vera. J'ai lavé l'aloe vera. Puis, je vais juste extraire le gel qui est à l'intérieur. Pour tout ça, il est super facile de faire tout ça. Il faut juste utiliser un couteau et faire attention pour ne pas se blesser. Après, j'ai découpé en deux l'aloe vera parce que je vais enlever le gel qui est à l'intérieur. Je vais utiliser ce petit appareil-là pour mixer le gel. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser un blender si vous n'avez pas cet appareil-là. Donc, le gel d'aloe vera et le gel de graines de lin, ce sont les seuls gels, qui ne sont pas néfastes pour les cheveux ou du moins éco-styler gel que j'ai jamais essayé, mais j'en ai écouté parler. Je préfère les options beaucoup plus naturelles que je peux trouver dans la nature. Donc, il est préférable d'utiliser ce genre de gel-là parce que c'est sûr que il n'y a aucun composant que vous ne connaissez pas, c'est juste de l'aloe vera et c'est super simple à faire et super simple à réaliser. Après, je vais mettre de la poudre de Nîmes. Ça, c'est la poudre de Nîmes de Love Afro. Vous pouvez le trouver au numéro de téléphone qui s'affiche juste ici. Je ne trouve plus mes mots. Je vais mettre comme une petite cuillère à thé, de poudre de Nîmes. Le poudre de Nîmes active la pousse des cheveux, enlève les champignons, enlève les pellicules. Donc, j'ai préféré d'utiliser cette poudre pour avoir un gel beaucoup plus nourrissant et hydratant. Après, je vais utiliser Activebook, qui est un produit que Love Afro a réalisé. C'est un produit pour se coiffer, c'est un produit qui aide à définir les boucles. J'ai aussi mis une grande cuillère à soupe de ce produit-là. C'est un produit qui aide à nourrir les cheveux, à les hydrater. C'est un produit qui est 100% naturel que j'ai réalisé. Donc, vous pouvez tout simplement l'acheter au numéro qui s'affiche juste ici. J'ai laissé tourner pendant 5 à 10 bonnes minutes pour avoir la consistance que je veux et pour être sûr que la lotion est bien mélangée. Vous pouvez voir le mélange commencer. Faites pas attention aux petites choses là que vous voyez, c'est pas grave. Sur vos cheveux, vous n'allez pas voir ces choses là. Après, j'ai lavé mes cheveux avant d'appliquer le mélange parce que j'avais mes cheveux qui étaient complètement sales à cause du challenge que je suis en train de réaliser. J'ai lavé mes cheveux avec le shampoing doux de Love Afro. C'est un shampoing qui nourrit les cheveux, les hydrate et ne les agresse pas. Donc moi, je préfère largement d'utiliser cette option là et ça sent super bon. Je l'adore. Voici comment sont mes cheveux sans aucun produit, tout simplement avec le shampoing. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Après, si vous voulez, après avoir utilisé le shampoing, vous pouvez utiliser une crème ou activer boucle, ce que vous voulez. Donc, voyez, j'ai l'impression que mes cheveux sont bleu marin, donc c'est super bizarre. J'applique le gel sur mes cheveux, j'applique une très bonne quantité, puis je prends le soin de bien démêler les nœuds un par un parce que je n'utilise pratiquement pas de paille pour démêler mes cheveux. Je préfère le faire gentiment avec mes doigts, comme ça je peux empêcher de casser mes cheveux. Vous voyez, le mélange il est super beau et en plus ça ne sent pas trop mauvais du tout. Ça ne sent pas mauvais du tout parce que le Nîmes ça ne sent pas trop bien. Vous voyez comme mes boucles sont définies. Vous pouvez l'utiliser pour définir vos boucles si vous voulez faire des co-wash. C'est une option qui est super top. Moi j'aime beaucoup, même si je ne fais pas régulièrement des co-wash parce que j'ai beaucoup trop de volume et mes cheveux skinquent beaucoup, donc je préfère largement de faire des twist out ou des braid out. Après, j'ai twisté mes cheveux parce que demain je dois vous rencontrer à Semoc, donc j'ai décidé de faire des twist out. Comme ça, je peux être sûr quand je me réveille demain, mes cheveux sont bien ordonnés, parce que le plus souvent, quand je me couche avec les cheveux mouillés et que je ne me coiffe pas, mes cheveux sont horribles. Donc voilà, je vais bien twister. Vous voyez comme mes cheveux sont trop jolis. Les petits points que vous voyez là, ça part quand mes cheveux seront secs, donc faut pas faire attention à ça.
Voilà, maintenant mademoiselle va twister ses cheveux. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire un tuto pour ça. Tout le monde sait twister. Il faut juste diviser les cheveux en deux. Et surtout, il faut utiliser une crème ou une huile pour que les cheveux puissent se glisser très facilement entre les doigts. Donc, je prends un brin de cheveux, puis l'autre brin, puis je twiste. Il faut juste tourner les deux branches l'une sur l'autre. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de science sur les twists. La seule chose, il faut bien hydrater les pointes et bien les nourrir, ou du moins sur mes cheveux, parce que ça a tendance à sécher un petit peu les pointes de mes cheveux. Donc, je twiste et je twiste. Et voilà, mes cheveux sont très jolis. Moi, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je ne vais pas laisser mes cheveux complètement sécher. Je vais juste défaire ce que j'avais fait avant pour vous montrer, même sur les cheveux un petit peu mouillés, ou du moins 30 minutes de pause. Vous voyez comme mes boucles sont définies. Donc, demain matin, j'imagine que ça va être beaucoup plus bouclé. C'est juste l'intervalle de 30 minutes. Mes cheveux un petit peu séchés parce qu'il fait beaucoup chaud ici en Haïti. Et vous voyez comment mes cheveux sont très jolis. Moi, je suis très contente avec mes petits chouchous. Donc voilà, j'espère que vous aviez aimé la vidéo. Si toutefois c'est le cas, likez, partagez-la et laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour que vous puissiez avoir beaucoup plus de vidéos. Et moi, je suis très contente de voir Love Afro by Love, vous irez s'agrandir. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Hasta luego!